Vous dites que votre jeu de guitariste reste proche de la sico. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça sonne la sico, le temps de s'installer un tout petit peu en sol majeur? Mais en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mélanger la sico et les différentes influences, quoi. Voilà. Alors juste un petit bout de sico avant qu'on s'offre un plat de résistance. Donc moi, je le jouerai plutôt sur ma guitare comme ça. La façon traditionnelle, c'est quoi? Pour qu'on se rende bien compte. C'est comme ça que ça se joue. Ouais, mais moi, je le joue sur la guitare comme ça. Mais sinon, traditionnellement, ça se joue sur des bouteilles avec parfois une fourchette et une cuillère sur la bouteille. Ah, et c'est comme ça que ça se joue, quoi. C'est trop mortel. J'ai juste un stylo, j'ai rien d'autre. Il faut vraiment venir muni de tout ici, avec la cuisine. La prochaine fois, je viendrai dans le studio. Okay. Puisqu'on est très, très intime maintenant et sans papier, n'est-ce pas? Est-ce que vous nous chanteriez live un petit quelque chose, Big Bassi? Avec plaisir. On vous écoute. On est là, Ismaël, de la maille en tarikène. On est là, Ismaël, pour le tarion yisen. On est là, et pour venir en mêlée, pour la maille en sermentel. On est là, pour une bingue d'âme, à quand même en l'ombre. On est là, Alléla me mama, Alléla, Alléla me noue, noue, Alléla eh, bismele, la mayon tariken, Alléla, bismele, pour le camion yese, Alléla, yensira, yensira, allons salva yanga, Alléla eh.